sur un petit déjeuner assez sucré. Hein. Je pense que Simon, il s'est lâché là. Mec, vous me faites bien rire. Parce que Simon s'est abonné à une fille, d'accord? Je sais pas si ça date d'avant qu'on soit ensemble ou si ça date de maintenant. Tu parles de où? Je dis, ah mais attends, mais t'es abonné à elle sur TikTok. Il me dit, ah bon? Ah ouais? Comment ça se fait? Genre les mecs, vous êtes cons. Oh ouais, mais comment ça se fait? Parce que peut-être je me suis abonné. Il y a un an et demi, je sais pas. Non, impossible. Non, mais alors, attendez. Impossible parce que j'ai regardé tous tes abonnements quand on s'est mis ensemble. Tu veux parler Oh, tu m'as montré que t'avais un dossier rempli de mecs la dernière fois avec que des mecs à dos. Ouais, mais oui, mais. Que des mecs à dos. Ah, c'est des mecs que j'aimais bien avant, j'ai gardé quand même en scred au cas où. Ah, il me fait pleurer. Aussi, y a aucun problème. Sauf que je remarque. Quand je suis en attente, quand je dois attendre 2 minutes, je remarque souvent. Et je lui dis, vas-y, montre-moi ton temps d'écran un peu. Parce que je suis persuadée que t'avais plus que moi. D'accord, je te vois tout le temps fourré sur ton téléphone, genre inséparable. Et parce que tu te rends pas compte de toi, sous 4h57 d'écran. Ouais. Moi, j'ai en moyenne 4h57. En moyenne. Vous savez combien elle est? 11h. 11h. T'abuses, dit 8h57. Ouais. 8h. Et je mets mon ASMR et je m'endors, donc ça compte. Ouais, oh. Ça compte, on est dans un bar pirate. J'adore. D'Urbu, vous êtes obligé de passer par cette boutique. Donc, je vais vous montrer. Il y a plein de jolies petites tasses. Là, on attend les bagages. Ses amis, sa famille, ça va lui faire du bien. Ça fait longtemps qu'on s'est plus quitté aussi longtemps. Mais voilà, ça va nous faire du bien. Et puis, en tout cas, le séjour ici à D'Urbu est juste magnifique. Franchement, si je peux vous le conseiller, mais allez-y, les yeux fermés. J'ai pris plein de photos, de vidéos. J'ai un peu à découvrir. Et vraiment, pour Noël, c'est juste incroyable. Au niveau de l'hôtel, il y a plein de beaux hôtels ici à D'Urbu. Mais nous, on a dormi au Sanglier, qui est un... j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pris quelques vidéos, tout ça. De toute façon, je vais en faire un petit montage TikTok. Je ferai ça au mieux que je peux. Mais